Les insectes sont la principale classe du règne animal sur Terre. Ils sont présents des régions tropicales aux régions polaires. On en recense actuellement plus de 800 000 espèces. Chaque insecte appartient à une espèce qui appartient à un genre. Les genres appartiennent à des sous-familles et des familles qui appartiennent à des ordres. Voici quelques exemples d'ordres. L'ordre des héminoptères, auquel appartiennent les fourmis et les abeilles. L'ordre des diptères, auquel appartiennent les mouches et les moustiques. L'ordre des coléoptères, auquel appartiennent les scarabées. L'ordre des orthoptères, auquel appartiennent les criquets. L'ordre des blattoptères, auquel appartiennent les blattes. L'ordre des hémiptères, auquel appartiennent les punaises. L'ordre des hémiptères comprend des familles d'insectes ayant différentes habitudes alimentaires. Par exemple, les insectes de la famille des coridés se nourrissent de la sève des plantes et sont donc phytophages. Certains insectes de la sous-famille des Réduvidés se nourrissent de l'hémolymphe d'autres insectes et sont donc des prédateurs. Alors que ceux de la sous-famille des Triatominés se nourrissent de sang à tous les stades de leur développement et sont donc hématophages. Étant donné qu'ils se nourrissent de sang, les insectes de la sous-famille des triatominés ont une importance épidémiologique lorsqu'ils sucent le sang de mammifères infectés par Trypanosoma cruzi, l'agent responsable de la maladie de Chagas. Chez les mammifères, la transmission vectorielle survient en cas de contact des formes infectantes de Trypanosoma cruzi, éliminées dans l'urine ou les selles de ces hématophages, avec une lésion cutanée ou de la muqueuse oculaire, nasale, ou buccal. La première espèce de triatominée a été décrite par l'entomologiste suédois Charles de Geer en 1773 aux Indes. Au XVIIIe siècle, cette vaste région englobait aussi l'actuel sud-est asiatique. Cette espèce a probablement été décrite grâce à l'observation d'insectes originaires de la région où se trouve aujourd'hui l'Indonésie. Cette espèce avait initialement été baptisée Cimex rubrofasciatus. Elle est actuellement connue sous le nom de Triatoma rubrofasciata. Il existe différentes hypothèses sur l'origine géographique de cette espèce de triatominée. D'une part, on pense qu'elle a été transportée dans les cales des navires qui naviguaient entre le continent américain et les trois autres continents par les voies maritimes créées à partir du XVIe siècle. Aujourd'hui, on l'y trouve encore souvent dans les cales des navires, où elle se nourrit surtout du sang des rongeurs. Selon une autre hypothèse,
les triatominées existaient déjà hors du continent américain, dans certaines régions d'Asie. La majorité des triatominées sont largement répartis sur le continent américain, depuis la région des Grands Lacs en Amérique du Nord jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. Cependant, ils sont présents sur d'autres continents, dans les régions côtières d'Afrique, au Moyen-Orient, dans le sud-est asiatique et dans le Pacifique occidental. Les triatominées sont présents dans différents écosystèmes naturels, par exemple la forêt atlantique, la forêt tropicale humide, le Cerrado, la Caatinga, le Chaco, les vallées andines, les steppes, les savanes et les monts. On les trouve dans les écotopes les plus divers, par exemple les affleurements rocheux, les nids d'oiseaux, les trous ou l'écorce des arbres, les palmiers ou l'intérieur des cavernes, ainsi qu'autour et à l'intérieur des habitations. Cette plasticité dans le choix des écotopes leur permet de se nourrir de divers types de faune. De nombreuses espèces de triatominées ont été décrites. La taille des adultes varie en fonction du genre. Les plus petits peuvent mesurer de 5 à 10 mm, comme ceux de l'espèce Belminus corridori, d'environ 10 mm. L'espèce la plus grande, Dipitalogaster maxima, peut atteindre 44 mm. Les espèces de triatominées qui transmettent la maladie de Chagas appartiennent au genre Triatoma, Panstrongelus et Rhodnius. Et peuvent être distinguées par la position des tubercules anténifères. Sur le continent américain, du point de vue épidémiologique, les espèces les plus importantes dans la transmission de Trypanosoma cruzi sont celles capables d'envahir et de coloniser les habitations. On trouve, parmi elles, Rhodnius prolixus, principal vecteur en Amérique centrale et dans certains pays du nord de l'Amérique du Sud. À partir de 2008, l'initiative de lutte contre ce vecteur, prise par les pays d'Amérique centrale, a réduit la zone occupée par cette espèce. D'autres espèces importantes sont Triatoma dimidiata, Rhodnius palescens et Rhodnius ecuadoriensis. Au Brésil, les espèces les plus importantes sont Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata et Panstrongelus megistus. Cette dernière, comme Triatoma sordida, est également importante dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Triatoma infestans, qui jusqu'en 1991 occupait une vaste région géographique, réduite grâce à l'initiative intergouvernementale de lutte prise par les pays du cône sud, est considérée comme le principal vecteur de Trypanosoma cruzi sur le continent américain.
point de vue épidémiologique, il existe sur le continent asiatique des espèces capables de transmettre Trypanosoma cruzi, l'agent responsable de la maladie de Chagas, mais on n'a encore jamais trouvé d'espèces infectées. La majorité des espèces se trouvent dans la nature. Ce sont les triatominées des espèces Triatoma rubrofaciata, Triatoma cavernicola, Lynchocosteus carnifex et Lynchocosteus carapus. Il faut faire attention à Triatoma rubrofaciata, qui se trouve souvent autour des habitations au sud de l'Inde, dans l'état de Tamil Nadu, et dont la présence a également été notifiée, il y a peu, au centre de Bangkok, en Thaïlande. C'est au Vietnam qu'ont été détectés les principaux cas d'infestation des habitations par ce vecteur. Dans les pays et les régions où ils se trouvent, les triatominées portent différents noms populaires selon leurs caractéristiques morphologiques et leur comportement. Aux États-Unis, on les appelle kissing bugs. Au Mexique, on les appelle parfois pic, terme maya, mais aussi chinche bezucona, chinche voladora, chinche picuda ou simplement chinch. Le nom de chinch est aussi utilisé dans les pays d'Amérique centrale, dans les Caraïbes et dans les autres pays du nord de l'Amérique du Sud. Cependant, dans certains de ces pays, les triatominées peuvent porter d'autres noms, par exemple chipo au chinche del monte au Venezuela, pito en Colombie, chinchorro en Équateur, chilimache et aussi chinchorro au Pérou. Au Brésil, les noms varient selon la région. Procotó, bicudo, chupão, piolo de piaçaba et barbeiro, ce dernier étant le plus courant. Au Paraguay, ils sont appelés chincha ou chincha guazu. Dans les autres pays d'Amérique du Sud, les triatominées sont plus connues sous le nom de vinchucas. Dans les pays asiatiques, ils portent aussi plusieurs noms. Au Vietnam, par exemple, on les appelle boxitum mo, ce qui signifie punaise suceuse de sang. C'est au Brésil, dans les premières années du XXe siècle, que l'on a découvert que les triatominées transmettaient l'agent responsable de la maladie de Chagas. En 1907, Oswaldo Cruz, directeur de l'Institut Oswaldo Cruz, a chargé le scientifique brésilien Carlos Chagas de lutter contre une épidémie de paludisme transmise par les moustiques du genre Anopheles qui paralysait les travaux de construction du chemin de fer central du Brésil dans le petit village de São Gonçalo das Tabocas, dans l'état de Minas Gerais. Avec la construction de la gare, le village a été rebaptisé du nom de la Sense. Carlos Chagas, qui travaillait et dormait dans un wagon de train, coordonnait une campagne de lutte contre le paludisme et recueillait des espèces de la faune locale. Parallèlement, il parcourait la région en raison de son intérêt croissant pour l'entomologie et la protozoologie. En 1908, alors qu'il se rendait à pied à son travail, un ingénieur qui travaillait à la construction du chemin de fer a éveillé la curiosité de Carlos Chagas en lui indiquant l'existence d'un insecte hématophage présent en grande quantité sur les murs des maisons en terre battue du village, appelé cafuas. Cet insecte sortait la nuit pour se nourrir du sang des habitants et de leurs animaux domestiques. En examinant l'intestin de l'insecte au microscope,
Carlos Chagas a trouvé des protozoaires. Comme il ne disposait pas à l'assence de laboratoire lui permettant de faire de plus amples recherches, il a envoyé quelques exemplaires de l'insecte à l'Institut Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz a mis en contact les insectes avec des singes élevés en laboratoire. Au bout d'un mois environ, il a examiné au microscope le sang d'un singe qui était tombé malade et y a trouvé des trypanosomes. Oswaldo Cruz a immédiatement fait part de sa découverte à Carlos Chagas et lui a demandé de revenir à l'Institut. Chagas a alors constaté que ce protozoaire appartenait à une nouvelle espèce qu'il a baptisée Trypanosoma cruzi, en hommage à son maître et ami. En avril 1909, Carlos Chagas a trouvé ce protozoaire dans le sang d'une petite fille de la Sens et a annoncé la découverte d'une nouvelle maladie. Le chercheur Arthur Neave a étudié cet insecte plus en profondeur et a constaté qu'il appartenait à l'espèce Conorhinus megistus, que l'on a ensuite appelé Panstrongylus megistus. À partir de 1909, avec l'aide des chercheurs de l'Institut Oswaldo Cruz, Carlos Chagas a mené un travail complet qui a fait date dans la médecine mondiale. Il a étudié les habitudes de l'insecte vecteur, la biologie de Trypanosoma cruzi, son cycle dans les organismes infectés et les signes cliniques de la maladie, également connue sous le nom de trypanosomiase américaine. La maladie de Chagas fait partie des maladies tropicales négligées, un groupe de maladies endémiques qui touche surtout les populations pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. La maladie de Chagas est l'une des plus importantes d'entre elles, avec la schistosomiase, la leishmaniose, la dengue et les helminthiases. On estime, à l'heure actuelle, à plus de 10 millions, le nombre de personnes infectées par Trypanosoma cruzi dans le monde, la majorité d'entre elles se trouvant en Amérique latine, où la maladie de Chagas est endémique. Plus de 25 millions de personnes risquent de contracter la maladie. Pour prendre des mesures préventives contre cette maladie, il faut connaître les caractéristiques morphologiques et les habitudes alimentaires et reproductives des triatominés, ainsi que leur milieu de vie. La morphologie externe des triatominés adultes est la suivante. Tête, thorax et abdomen. Sur la tête se trouvent les principaux organes sensoriels. Deux yeux composés, deux ocelles, deux antennes composées de quatre articles ou segments, et un rostre, ou proboscis, constitué de trois segments, dont le dernier est articulé. Sur le thorax se trouvent les appendices locomoteurs, trois paires de pattes et deux paires d'ailes. L'abdomen est composé de 11 segments, dont le 8e et le 9e sont modifiés pour former les structures des organes génitaux externes. La partie terminale de l'abdomen est arrondie chez le mâle
et pointue chez la femelle. Pour ce qui est de la morphologie interne, signalons les structures anatomiques suivantes. L'appareil buccal de type piqueur-suceur, constitué de deux mandibules qui présentent à leur extrémité des denticules qui permettent à l'insecte de pénétrer et de se fixer dans les tissus de l'hôte. Et deux maxilles. Chaque maxille est constituée de deux stylets qui, lorsqu'ils s'assemblent, forment deux canaux. Le canal alimentaire et le canal salivaire. En outre, les maxilles glissent l'une sur l'autre par des mouvements longitudinaux ce qui permet la sortie de la salive et l'entrée de l'aliment. Les deux canaux formés par l'union des maxilles se prolongent à travers le rostre, de sorte que le canal salivaire est relié à la pompe salivaire, elle-même reliée aux glandes salivaires qui produisent la salive. Le canal alimentaire est relié à l'appareil digestif par le biais du pharynx musculeux, qui a pour fonction de sucer l'aliment. Le reste de l'appareil digestif est composé de l'œsophage, l'estomac, l'intestin et de quatre tubes de Malpighie qui constituent l'appareil excréteur avec l'ampoule rectale et le rectum. Le cycle de vie des triatominées comprend la phase de l'œuf, 5 stades nympho, et la phase adulte. Avant la copulation, le mâle est attiré par les phéromones libérées par les femelles. Selon l'espèce, l'accouplement peut durer de 5 à 45 minutes. La ponte commence au bout de 10 à 30 jours. We'll be right back.
Le nombre d'œufs dépend de l'espèce et surtout de la quantité de sang ingéré. Un triatominé femelle peut pondre de 100 à 350 œufs au cours de sa vie. En outre, le lieu de ponte varie selon l'espèce. Les femelles de certaines espèces pondent à l'air libre, comme celle du genre Panstrongylus, et la majorité des espèces du genre Triatoma, alors que les femelles des espèces du genre Rhodnus pondent leurs œufs sur des feuilles de palmier ou des plumes d'oiseaux où ils adhèrent fortement. L'espèce Panstrongylus megistus vit en milieu sauvage, mais peut envahir les habitations après la destruction de son écosystème. Dans la nature, les femelles pondent leurs œufs dans les terriers de petits mammifères, comme les opossums. Les femelles de l'espèce Triatoma infestans, que l'on trouve principalement dans les habitations, pondent leurs œufs dans les fissures des murs des maisons en terre battue et dans les empilements d'objets personnels, par exemple les vêtements ou encore derrière les meubles et les tableaux. Cette espèce peut également être présente dans les poulaillers, les étables où se trouvent vaches, chèvres et brebis, les porcheries et les endroits où se trouvent chiens, chats et autres animaux domestiques. En milieu sauvage, Triatoma infestans se trouve dans les creux des arbres, dans les broméliacées et dans les fissures des roches. L'espèce Rhodnus prolixus est habituellement présente dans les nids d'oiseaux et dans les palmiers. C'est pourquoi il est dangereux de construire des toits en feuilles de palmier. En effet, les insectes y pondent leurs œufs qui s'y collent. D'autre part, les œufs de l'espèce Rhodnus bretesi se collent aux fibres d'un palmier appelé piassab, toujours en milieu sauvage. Les œufs des triatominés comportent une couche externe, l'exocorion, constituée d'un corps et d'un opercule. Au fur et à mesure du développement de l'embryon, les œufs deviennent rosés. Le délai d'éclosion des œufs dépend de l'espèce, ainsi que de la température et de l'humidité ambiante. Ainsi, les nymphes au premier stade naissent au bout de 10 à 40 jours. Cette nymphe appartient à l'espèce Triatoma infestans. Quelle que soit l'espèce, les nymphes sont de couleur rose, puis s'assombrissent au fur et à mesure que leur cuticule durcit. Les nymphes changent d'exosquelette en muant. Elles subissent alors des modifications physiologiques et morphologiques et acquièrent de nouvelles structures, jusqu'à parvenir à l'âge adulte.
Le cycle de vie des triatominées est assez long. Il peut durer de 6 mois à 2 ans, selon l'espèce. Un adulte peut vivre un peu plus d'un an. Le triatominé s'alimente au moment où il trouve une source de sang grâce aux poils sensoriels situés sur les antennes qui lui permettent de détecter la chaleur, l'humidité, les odeurs, les saveurs, les déplacements d'air et les textures. À l'approche de la source d'aliments, les poils sensoriels situés sur les antennes détectent les vaisseaux sanguins. L'insecte tourne alors le rostre et entame immédiatement la salivation. Les stylets situés à l'intérieur de l'appareil buccal pénètrent dans la peau de l'hôte. Sur cette image, la salive a été marquée par un colorant fluorescent et nous observons qu'elle est présente dans la zone explorée par les triatominées. La salive est essentielle pour le repas car elle empêche la coagulation du sang et anesthésie le point de piqûre afin que l'hôte ne remarque pas l'insecte. Les mandibules restent fixées à la surface de la peau alors que les maxilles pénètrent dans le derme à la recherche d'un vaisseau sanguin. Pendant la phase de sondage, les triatominées effectuent dans le derme des mouvements oscillatoires avec les maxilles. Après pénétration des maxilles dans le vaisseau sanguin, la maxille gauche étant en retrait par rapport à la droite, le sang coule à l'intérieur du canal alimentaire. Pendant le repas, les triatominées peuvent être infectées par le parasite Trypanosoma cruzi. Qui, à l'intérieur de l'intestin de l'insecte, adhère à la membrane périmicrovillositaire des cellules intestinales où elle poursuit son cycle. Le parasite ainsi transformé pourra infecter l'être humain et d'autres mammifères lorsqu'il est évacué dans les selles ou les urines des triatominées, qui deviennent ainsi des vecteurs de la maladie. Thank you.